Salut à tous, ravi de vous retrouver sur la vidéo de la top pour une nouvelle vie de Noël. Joyeux Noël. Et aujourd'hui, on va parler d'un film culte, L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai regardé ce film, je l'ai adoré. Et on va commencer tout de suite par vous dire que le pays, c'est évidemment les États-Unis. Hein, le Monsieur Jack, c'est incroyable. La réalisation était de Henry Selick. Le scénario de Tim Burton, Caroline Thompson et Michael McDowell. Excusez-moi pour mon accent. Avant de savoir les acteurs, avant de savoir quand le film est sorti, tout ça, voici la bonne annonce de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Walt Disney Pictures présente. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en pays inconnu. Terrible épouvantail! L'étrange Noël de Monsieur Jack. Fantastique! Comme vous ne l'avez jamais vu. Excellent! Qui vous plongera au cœur de ce conte merveilleux. Ils nous sont reconnaissants d'avoir fait un aussi bon travail! Tu veux rire? J'en crois pas mes oreilles! Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Au lieu de lancer des corps, ils lancent des boules de neige. La vie remplace la mort, ils passent leur temps sur des manèges. J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil. Et sa chaleur dans mon vieux cœur fait vraiment des merveilles. Oh, très cher Jack. Sally. Cette année, c'est nous qui allons célébrer Noël! Offrez-vous un chef-d'œuvre riche en surprises et au bonus inédit. Vite, ouvrez le sac. Qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté, mon chéri? Oh, oh, oh! L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Eureka! Le 29 octobre 1993, il date en ce film en fait, hein. Il date, et nous en France, c'était le 7 décembre 1994. Moi, pour tout vous dire les amis, je pensais que c'était sorti il y a maximum 10 ans, quoi, parce que j'ai dû le voir il y a quelques années. Je ne pensais pas que ça datait d'avant l'année 2000. Le budget du film, 18 millions de dollars, qui veut quand même dire 16 453 710 euros. 16 453 710 euros, c'est mieux. Il y a eu au total 18 millions, la durée du film dure 76 minutes dont 1h16. Au box-office en France, ça a fait 279 053 entrées, ce qui est quand même pas trop bien, quoi, hein, c'est pas ouf, hein. Alors, les acteurs qui ont joué dedans, les acteurs originaux, il y a eu Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O'Hara, Paul Rubens, Joe Ranft, William Wicky, Glenn Faddix, et Ken Paye, je ne sais pas comment on le dit, mais voilà, en tout cas vous avez les photos, évidemment il y en a eu plein d'autres. Les voix françaises, ceux qui ont, comme on entend le film en français, ceux qui ont fait les voix. Il y a Henri Poirier, et il fait le Poirier. Olivier Coustantin, Dorothée Chénéma, alors ce n'est pas Dorothée qui chantait entre autres ça. Passer mon cœur au bureau du bonheur. Non, ce n'est pas elle. Nona Morato, Bernard Tiffen, Daniel Beretta, Richard Darbois, Céline Monsora,
Karim Costa, Bernard Liebert, là vous dites, il va s'arrêter un jour, oui. Daniel Hazan, Jackie Berger, Michel Eltas, Jean-Pierre Leroux, Jean-Claude Danda et Patrick Rhys-Wade qui ont fait donc les voix françaises du film. Ensuite, il y a eu beaucoup de récompenses. Vous vous en doutez, c'est un film que beaucoup de gens ont vu, peut-être que vous l'avez vu. Ils ont eu le Saturn Awards du meilleur film fantasy ainsi que le Saturn Award de la meilleure musique en 1994. Félicitations! Et les nominations où ils n'ont pas gagné, donc les Oscars du meilleur effet visuel en 94, les Golden Globes de la meilleure musique de film en 94, les Soren Awards du meilleur réalisateur et des effets spéciaux également en 94, Annie Awards du meilleur film d'orientation 94 et le prix Hugo du meilleur film. Voilà. Pour ce ça, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, où l'histoire, ça parle aussi un petit peu d'Halloween, des fêtes. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau ça, c'est le cinéma spécial pour Noël. Je vous en remercie. Rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur la vidéo de la taupe. Et encore joyeux Noël.